allez. Ils vont arriver là, j'en suis sûr, quoi. Allez. Je peux plus là. Franck, qu'est-ce que tu fais? C'est la route du Codio Taré. Attends, oui, tu vas et voir. Alors? C'est juste mythique ici, tous les coureurs du Tour de France y sont passés, les meilleurs du monde. Le Tour de France, tu connais? Ok, là t'es un peu plus mystique, tu vois, parce que c'est un peu l'hiver. Donc avant qu'il passe un cycliste, on a un petit peu de temps, tu vois. Qu'est-ce que tu connais, toi, mystique? Bianca, je vous présente Varek Arnaud, un des grands organisateurs du Snow Kite Master. Salut, enchanté, bienvenue à la montagne. Merci. Et je crois savoir qu'aucun d'entre vous a essayé cette voile, le Snow Kite. Pas encore. Non, mais il manque pas un petit peu de vent là. Bah justement, on est avec Alex et Fab, nos deux moniteurs, et qui vont vous présenter le matériel maintenant. Allez, on y va, on va s'équiper. C'est parti. Vas-y, tu poses, c'est bon? Alors vas-y, tu disposes le pied dans la jambière. C'est bien, hein. Voilà. Un coup, là. Okay. Action. Donc le casque obligatoire. Voilà. Vous voudriez. Voilà, donc là elle avance toujours, elle a toujours une vitesse positive. Et à partir du moment où tu vas tirer la barre d'un côté, tu vas freiner un côté et ça va faire pivoter l'aile. D'accord. Ça c'est des sensations que tu sens quand elle tire et quand elle relâche. Voilà, c'est le bordet choqué, c'est vraiment quelque chose de. Il faut naviguer pour le ressentir. Allez, vous voulez pas mettre derrière moi et souffler un peu aussi? Yes! Oh. Bon allez, vite avant que la nuit tombe, un petit mot sur ta première leçon de kite. Bah, j'étais un petit peu nerveux à la base, un peu impressionné, et puis je me suis rendu compte que finalement il faut qu'il y ait beaucoup plus de vent que ça, et qu'il y aura des sensations incroyables. Quand on sent là, accroché par le bassin et la puissance de cette voile, ça doit être magique. Donc j'ai hâte de revenir avec mon moniteur qui était très patient, parce que ça doit être des sensations incroyables. Alors comment il s'est débrouillé selon toi, Fabien? Bah très bien, avec le peu de conditions de vent qu'il y avait, il a pu faire 2-3 tours d'aile et sentir, comme il disait, la puissance sur le harnais. Donc. Mais je t'ai entendu lui dire droite, gauche, Forger, il faut lui parler. Revers, coup droit. Ah d'accord. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il neige, donc demain, c'est freeride. Ah, ça, je veux pas rater ça. On va pas faire la fête, hein, Franck, on va se coucher tôt parce qu'il va trop fort demain. À condition qu'il fasse beau. Allez, à tout à l'heure. Qu'on soit bien d'accord. Parce que quelqu'un là, c'est moi qui décide dans la maison.